Lorsqu'il quitte les Beaux-Arts en 1947, Pierre-Henri peint des créatures filiformes, marquées par la dureté des conditions d'existence de l'immédiate après-guerre. À un moment où le rapport au monde extérieur est devenu un enjeu problématique pour les artistes, il participe à la mouvance Jeune Peinture et au Salon des peintres témoins de leur temps, dont il obtient le Grand Prix en 1970. L'année suivante, il expose le portrait du fondateur du Festival d'Avignon et du Théâtre National Populaire, né à Sète, Jean Villard, qui venait de disparaître. Sur un bandeau central déroulant le panorama du Palais des Papes est plaquée la silhouette lumineuse de l'homme de théâtre disparu. Pierre-Henri transpose dans un dispositif emprunté à la peinture médiévale l'un des portraits photographiques réalisés par Agnès Varda, amie de Jean Villard. À la manière des saints hiératiques qui portent une maquette d'église, il soutient en effet de la main les gradins et la scène de la cour d'honneur, représentée en réduction. Le collage visuel prête ainsi à la figure de Villard les attributs d'un saint laïc, devenu, par son action, le bienfaiteur de sa communauté.